Et salut les amis, c'est Farming Savoyard. Comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de mes aventures sur Blackwater Canyon. Et donc je suis avec un Patrol GR LGE, un magnifique mode. Donc ça se limitait entre Nissan et Toyota. Je suis tombé sur le Nissan d'abord, on va continuer avec le Nissan. Je suis revenu donc là où ça on s'était arrêté avec donc le H1, donc au niveau du bois tout bêtement. On prend la suite de la piste, normalement ça se passe par où d'ailleurs? Ouais, ça se passe par là. Hein, on va continuer la piste tranquillement, on va aller voir ce qu'il est possible d'arriver jusque ce bout là. Et puis on partira tout bêtement avec donc un Toyota pour la prochaine, puisque voilà, c'était entre Toyota et Nissan. J'espère que vous allez bien, moi ça va toujours très très bien. On avance sur cette magnifique map et franchement à chaque fois bah, il faut refaire le chemin complet. Et avec celui-ci ça a été 25 fois mieux qu'avec les Hummer. Je vous dis pas, celui-ci il a des capacités, alors c'est pas réellement du franchissement, mais en tout cas ça roule un maximum. Le seul petit défaut c'est qu'il a bah, il a la jante qui se déforme un petit peu en même temps que le pneu. Bon bref, c'est pas très grave en soi. On peut lui coller la deuxième, il a peur de rien, franchement il enchaîne un maximum. Il n'y a pas le conducteur également, bon c'est pas grave non plus en soi. Bref, voilà, donc toujours aussi nombreux à apprécier cette petite série où on parcourt la map Blackwater Canyon. Et franchement, je vous conseille vraiment cette map. Hein. Elle est vraiment absolument magnifique. Disponible, je l'ai déjà dit, sur spintier.nl. Et le 4x4, lui, toujours pareil. Les 4x4 sont disponibles tous sur le Steam Workshop. Je ne prends rien en dehors du Steam Workshop. Donc là, c'est vraiment, s'il suffit juste de chercher. En plus, ça fait partie, me semble, des derniers qui sont arrivés. Voilà, on va essayer de se placer comme il faut. Voilà, là, la caméra est pas mal. Donc, il y a une caméra avec une touche automatique, un coup devant, un coup derrière. Mais celui-ci, franchement, il a peur de rien. Il avance, les cailloux, la terre, la flotte, la boue. Bon, j'ai eu du mal quand même à passer là où j'avais eu du mal à passer avec le H1, cette espèce de rivière là où bah, ça reste quand même coincé. Mis à part avec le Troy, j'arrive pas moi personnellement à passer. Un abonné m'a dit qu'il avait réussi à passer lui avec un camion chargé. Alors peut-être est-ce que le fait que le camion soit chargé, justement, ça aide un petit peu tout ça. Bon, bref. Je l'ai félicité, mais moi j'ai pas réussi à passer, pas assez pilote de toute façon. Allez, on continue tranquillou, on avance sur cette map, comme je l'ai déjà dit. Voilà, vous avez plein de choses en ce moment. Vous avez du Spintier, le retour de Farming Simulator 2017 avec la map Vieille France sur FS17 by Arsonic Modding. Vous avez du Next Car Game, il y a eu du ATS très récemment. Il va y avoir du ETS2 également sur le DLC Vive la France, pas mal de youtubeurs ont fait de vidéos dessus. Voilà, moi je vais arriver également dessus. On va rouler français en France. Voilà, j'ai un mode, un camion Renault Magnum que j'ai monté, que j'ai acheté. Donc là, c'est une partie non cheatée. J'ai fait mon prêt de 100 000 euros. J'ai pu m'acheter mon camion et on circule exclusivement sur les routes de France. Voilà, donc j'ai refait un profil tout bêtement pour ce DLC Vive la France. Voilà, allez, on est tranquille, on est là, on roule. Et franchement, lui, pendant qu'on parle, il circule, c'est bien moi qui conduis. Et là, en deuxième, il a peur de rien, le 4x4, c'est un truc de fou. Et là, d'habitude, où il faut replanter un coup de première, on décélère un petit peu, on reste sur la deuxième. Et putain, je pensais que c'était là-bas en bas que ça se passait. Et heureusement que j'ai mis le coup de volant qui va bien. On en est toujours à pas de fail. On va voir sur cette troisième vidéo si éventuellement ça fail ou pas. Ça va être à voir. Alors, petite partie pour rincer les pneus. Et quand je vous dis que ça passe nickel chrome, ça passe nickel chrome. Allez. Bon, alors là par contre, il faut qu'on lui mette un coup de première. On est coincé dans les cailloux. Ah, quand je vous dis que ça passe pas toujours. Putain, quand je suis hors vidéo, il s'arrête jamais, le mec. Bon, et bien écoutez, si on est coincé, pourtant, c'est pas très compliqué, jusqu'à preuve du contraire, ici. On va essayer de se troyer un petit coup là, on va battre ça. Voilà, ça a l'air de le faire. On s'est décoincé, et on y retourne, ouais. On a mis un caillou là sous la garde du 4x4 ou sous le nez, un peu compliqué. Bref, c'est pas grave, un coup de treuil et c'est reparti, vous pouvez le constater. On entend bien le bruit du gros moteur diesel. Merci à Fifi le Carousel pour m'avoir donné les informations que j'avais demandé sur la précédente vidéo à ce sujet du Hummer H1. Je pensais que ça avait beaucoup plus de puissance en chevaux que ça.
Mais finalement non, c'est pas extraordinaire, c'est une très très grosse cylindrée, mais pas avec énormément de chevaux, donc petit dédicace à toi, merci à toi l'ami Celt, et Kenavo bien sûr. Allez, on avance. Et franchement, ça dégomme, ça déchire, la prochaine fois on sera en Toyota pour faire plaisir à tout le monde. Et franchement la map elle est juste magique. Elle est juste magique et si je trouve pas d'autres maps plus sympas, on essaiera vraiment de le faire en camion. Vous verrez, j'ai trouvé un camion et on n'imagine pas les capacités. Putain, c'est chaud. Tout terrain que ce camion-là pourrait avoir et pourtant, tout le début que j'ai fait avec le H3, je l'ai fait avec le camion et ça s'est passé tout crème, tout tranquille, absolument aucun souci. Donc ça pourrait être relativement drôle de venir chercher du bois sur cette map-là. Faut également que je revienne sur Panimals, je vais absolument vous montrer d'autres parties trial, mais voilà. Toujours pareil, le temps me manque, j'essaye de vous montrer un petit peu pas mal de choses, hein. Pas que du FS, pas que du farming, donc c'est vrai que quand je fais une autre vidéo, j'ai pas le temps de faire une vidéo farming, puisque j'en tourne en gros une par jour, j'ai pas le temps d'en tourner plus. Voilà, petit sympa, le petit tunnel, c'est vraiment un petit tunnel, hein, avec le petit pont dessus, je sais pas ce qui passe dessus, est-ce que c'est un train? Non, je pense qu'il n'y a rien qui passe du tout dans ce... Oula la caméra, arrête. Le bug de la caméra là. Ouais, et je vais encore y revenir dessus, mais ça se trouve, on va revenir dessus le pont. Avec un peu de chance, c'est exactement ça. Ouais. C'est le seul défaut que ce jeu a, c'est la caméra. Voilà. C'est le seul défaut qu'il a. Et ouais, on tourne en rondelle là. On se croirait sur l'autoroute à péage, si vous connaissez. C'était un manège pour les enfants. On tournait comme ça. Et on revenait. Impeccable, ça filoche. Peur de rien. On avance. On est tranquille. Un petit coup, la flaque pour rincer les roues après être passé dans la boue. On va essayer de passer mieux que tout à l'heure. Ouais, mode que je vous recommande, hein, c'est Nissan Patrol LGE, je crois, me semble-t-il. Et celui-ci, pour un véhicule plus ou moins, j'ai envie de dire, d'origine, hein, il n'est pas réellement bien modifié. Ah, par contre, là, pareil, c'est coincé un peu le nez là-bas. Hop, impeccable, c'est sûr que si on essaye de déplacer la montagne, ça va pas le faire. Non, il faut rester en première. Là, on est un peu short, manque d'élan. Impeccable, toujours en train de remplacer cette putain de caméra. C'est vraiment ça qui est relou, hein. Dommage qu'il n'y ait pas la caméra libre, mais bon, c'est comme ça. Allez, il a d'autres avantages et c'est pour ça qu'on l'aime. Ah, c'est pas évident ces petits passages qu'il y a eu là, on dirait pas comme ça, mais c'est pas forcément évident. C'est pas forcément évident du tout. Allez mon gros, essayez de se mettre en vue avant, comme ça vous allez voir quelque chose. On voit pas tout le temps non plus, on voit toujours la caméra vue arrière. On va essayer de se mettre en vue avant, par contre on va aller mollo. Parce que quand ça tourne comme ça, pas forcément évident. On va essayer de suivre ça aussi avec la caméra. Pas forcément évident non plus. Mais là, ça le fait. Hein. Allez, on se remet derrière. Enfin, en tout cas, on va essayer de se remettre derrière. Voilà. On va caler la caméra. Et on est bon. Allez, toujours petite flaque. On alterne. Petite flaque. Petite remontée. Caillou. Piste. Petite flaque. Et on recommence. On prend les mêmes. Allez, là, on va repasser un coup la deuxième. Ça devrait le faire. Et franchement, faut un moment avant d'arriver jusqu'au bout du chemin, là. Ça fait des vidéos de 20 minutes à chaque fois. On est déjà au troisième véhicule, là. Enfin, ouais, quinzaine de minutes. Allez, 20 minutes. Quand ça se passe bien et que ça roule comme ça, on perd pas de temps, en plus. Donc, il y en a pour un petit moment. Allez, on va repasser un coup la première. On est dans la boue. Et quand on est dans la boue, je l'ai déjà dit et je le redis, il ne sert à rien de faire tourner les roues comme un marteau. Au contraire, vous perdez de l'adhérence, il faut les faire tourner comme sur la neige le moins vite possible pour garder l'adhérence. Et une fois que vous avez mis les roues au sec, hop, redeuxième et on est reparti comme des calus. Alors là c'est quoi? On attaque, on attaque les parties avec les épingles. Alors ce qu'on peut faire c'est même enlever... Non, c'est pas ça que je veux faire. Le bouclage de différentiel, on va être plus à l'aise dans les virages, comme ça.
pourrait même presque couper d'un à l'autre, mais bon, on va pas faire les débiles, on va pas faire n'importe quoi. On va faire ça propre. Tranquillou, suffit de suivre la piste. Et c'est vrai qu'avec le blocage du différentiel supprimé, ça tourne tout de suite beaucoup mieux. Parce que les roues ne tournent pas toutes en même temps. Et ça permet de tourner plus facilement. Ah, ça le fait là, hein. Petit passage sympa. Ça, vous remontez ça avec un camion blindé de bois, franchement, ça peut le faire. Oula, par contre là. Ouh, c'est chaud ça. Allez, on continue, on tente. On est un peu large. On est un peu large. Allez, on assure. On va pas aller planter le 4x4 là, ça serait complètement idiot. On y va. Tranquillou. Ça va le faire. On va suivre la piste là, vraiment on aurait pu couper, mais comme je l'ai dit, on fait pas n'importe quoi, ça sert à rien. On va peut-être arriver de nouveau, je sais pas, en bas ou quelque chose. On peut même passer un coup de troisième là, ça descend tellement bien. Oh putain, par contre, nerveux mon petit Jeannot là. Allez, là on est plutôt pas mal. Regardez, on va simplement se faire, hop. Alors c'est pas ça que je voulais faire, le petit dans les paramètres, on va supprimer ça, on va faire appliquer, on va faire reprendre et on va tout simplement se faire le petit screen qui va bien. Hop, c'est bon. Ah, par contre troisième il va pas apprécier. Allez, on se retrouve de nouveau au niveau de l'eau. Comment ça se passe? Donc là on est en. Ben, on est au bout de la map hein, finalement si on regarde le plan. On est arrivé là au bout où je voulais aller. On va s'en faire encore. Putain, mais il y en a pour impressionnant quand même la distance qu'il y a sur cette map. Allez, on continue un petit peu ensemble. Oh, je vous fais plaisir. J'espère qu'en tout cas ça vous fait plaisir. On va essayer de passer le guet, de sortir sans encombre, remonter la moitié dans l'autre sens. Ça pourrait le faire. Allez mon gros, c'est bon. On va passer la caméra un petit peu plus loin. Et ça devrait le faire. Un petit coup de deuxième, également ça le fait. Donc là à mon avis on va alterner pareil. Dans l'eau, pas dans l'eau, dans l'eau, pas dans l'eau. Et c'est exactement ça. Oh oh oh. Allez, on en a jusque au niveau des portières. J'espère que les joints encore une fois. Ah mais merde, si je mets pas le blocage différentiel, j'ai pas fait gaffe, j'ai pas l'habitude de l'enlever. On va tout de suite être plus efficace avec. Par contre tout de suite d'un seul coup, pareil, dès que vous l'avez, tout de suite plus compliqué de passer les virages. Ouais, franchement c'est juste magique hein, cette map là. J'en avais encore pas réellement trouvé de très 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 belles. Il y en avait des jolies, mais alors là, honnêtement, c'est juste énorme. Donc il y a une vue de capot comme ça, qui peut être pas mal, mais alors si vous avez envie de gerber et que vous venez de manger, franchement, c'est juste énorme. Ça le fait. Hein. Je vais tout de suite, on va rouler un petit peu comme ça, mais rien du boulot. On se croirait dans un manège. Et bon appétit bien sûr. Allez, on va se remettre là comme ça parce que franchement. Merde. J'ai voulu couper. Allez, on continue. C'est reparti. Grand coup de deuxième et on met gaz. Est-ce qu'on arrive même à coller la troisième? Même la troisième. Allez, mon gros. À fond les ballons. Ah putain, ça arrache. Vraiment, c'est juste énorme. Il va juste... Oh putain, oh putain. Il va juste trop bien. Ça a failli sentir la cabriole. J'allais dire, où est-ce que c'est? Bah, c'est tout droit. C'est tout simplement tout droit, mon gars. Il n'y a plus qu'à. Putain, mais il tient même la troisième là. C'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Hop là, allez, les montées, les descentes, de la boue, ça gicle de partout. Bon après il a le... Il se salit, mais il se salit un peu bizarrement quand même. Bon après voilà,
Il y a quelques petits défauts sur le mode, mais moi, tant que ça roule et que ça arrache la terre, la boue, ça me fonctionne, ça me va bien. Oh, alors là, on peut se faire un truc sympa. On peut se faire un truc sympa. Est-ce que j'arrive à remonter là? Ah, j'aurais bien aimé me faire un petit pix là dans les... dans la partie un peu croisement de pont, mais ça n'a pas fait. Allez, on continue, on perd pas de temps avec ça. Où est-ce que ça se passe ensuite? On est sur la bonne... voilà, on est sur la bonne route. Hein. Il a l'air de passer. C'est tout bon. Est-ce qu'on va arriver à sortir au niveau des cailloux? On va lui replanter un coup de première. Non, non, il y a peu de choses qui pourraient l'arrêter sur une piste, hein, j'entends. Hein, parce que ça reste quand même un 4x4 plus ou moins de série, même s'il est un peu surélevé et avec, avec des gros bibs. Maintenant, en trial, je ne sais pas ce que ça vaut vraiment. Il faudrait peut-être faire le test. Vous faites le test, puis vous me direz ce que ça peut valoir dans les parties un petit peu compliquées. Ah, c'est ça que je voudrais faire, une belle pix là. Allez, là c'est sympa. Est-ce que j'arrive à caler? Voilà, là c'est bien. Là on est plutôt pas mal. Allez, ça c'est bon, c'est ça que je voulais faire. Une belle pix avec un beau croisement de pont. On est reparti comme des calus. Deuxième, troisième. Et ça arrache. Voilà. Ah, vraiment, vraiment, ça va bien. J'espère que ça vous fera plaisir. Allez, un grand coup, je sais pas si vous entendez la boîte manuelle, là, la boîte en H, un grand coup de deuxième pour repartir. Parce qu'en 3 c'était un petit peu juste. Ah, ça le fait. Hein. Allez, on se met là en vue avant. Oh oh oh! Ça sent le sapin, c'est la série. À fond la caisse. Pas évident hein, de gérer et la caméra parce qu'il faut aller dans un sens dans l'autre, le volant à l'inverse. Et franchement, je m'en sors pas trop mal pour vous produire quelque chose de pas mal. Là, on voit bien les suspensions travailler. Hop, reste là. Ah, il a peur de rien. Hein. Bientôt, il attaque la montagne. Où c'est que ça se passe là? Où est-ce qu'on va? Est-ce que c'est en bas? Est-ce que c'est en haut? Alors là, c'est la bonne question. Où suis-je? Non, ça va être sur la gauche. Ok, donc on va essayer d'aller sur la gauche. Le sapin, c'est Noël. Ouais, on devinait pas forcément trop le chemin. Je préférais regarder pour pas me planter. Allez, là on est bien. Là, on vraiment longe... Alors, je sais pas si c'est encore la rivière du Canyon ou si c'est une autre rivière. Oh putain! À côté, mais en tout cas, c'est juste magique l'endroit. C'est vraiment juste magique, magique, magique. Voilà, j'espère que ceux qui disaient faut rouler à fond la caisse, il faut y aller, ils seront contents. Plus compliqué à gérer, mais en tout cas, on en voit là, fond. Allez, c'est parti! Niveau des dommages, on est relativement bien. Au niveau du carburant, il y a 800 litres. Hein, ça craint absolument rien. Voilà, attention de ne pas se rouler. Oh putain! Ah, c'est pas possible! Fait une merde là. Allez, on va voir s'il y en a un peu dans le ventre. Ou pas. Merde! Merde, on s'est mis un peu mal. On s'est mis un peu mal. Allez, on va se faire une petite, petite pix. On va essayer de sortir à travers. Putain. Ah, en même temps, pour remonter là, faut quand même pas déconner. Avec un peu de chat, on arrive à sortir par là. Oh, bah je crois que j'ai mis le 4x4 dans la merde là. Alors, est-ce qu'on arrive à se sortir de ce guépier?
Qu'est-ce que ça peut donner par là-bas? Là, il y a une espèce de trou là. On va se retrouver par contre dans le ruisseau là. On va être vachement bien. Allez, véhicule amphibie. On va se sortir du bordel. Ouais, le chemin est juste là. Bon, on va avoir du mal à remonter là, de toute façon, je pense. On va pas tenter l'impossible. On va aller jusque sur les cailloux là, tranquillou. Allez, tu vas pas me lâcher là au milieu de la flotte. Ouh, ça a failli être le fail quand même, hein. Et on revient sur notre piste. On s'en est sorti à peu près. A eu 2-3 faiblesses. Mais bon, franchement, je lui en veux pas parce que honnêtement, il s'est vraiment bien débrouillé. Il s'est vraiment très bien débrouillé ce véhicule. Et franchement, je vous le recommande pour, voilà, pour, je l'ai dit, un petit peu de la piste comme celle-ci. Allez, on regarde sur la carte où on en est. Toc. Et bah écoutez, on a quasiment fait l'aller et le retour. On va. Allez, on va jusque. Ah, on dirait, on pourrait presque. Il y a carrément un passage là, ok. Donc ça c'est bon à savoir. Il y a un passage là derrière pour couper. C'est bon à savoir pour moi, pour que effectivement je puisse revenir avec un autre 4x4. Et bien écoutez les amis, merci d'avoir regardé cette troisième vidéo sur Blackwater Canyon. N'hésitez pas comme d'habitude à laisser votre commentaire, le petit pouce bleu si ça vous a plu, liker la page Facebook et vous abonner à la chaîne YouTube pour la suite de mes aventures. Ciao, bye bye.